que c'est fonds qui fait que tu as supposé aller en finance. Nous avons FAES, c'est affaires sociales liées, son fonds lié encore. Nous avons CAS, c'est affaires sociales. Donc, je demande au président pour voir le ministre aller pour aller conformer sur la question de la loi. Merci. Non, président, je vais vous la parole. C'est non. Écoutez. Tout le monde inscrit déjà. Le monde qui parle déjà, vous parlez déjà. Président, yo, mais cependant, il y a un compte qui j'en peux faire pour prendre la parole. Président, même la loi, pas de bon. Ouais. Non, s'il vous plaît, sénateur, on va gagner la parole. Et tout sénateur qui là, connaît qui a pu faire pour prendre la parole lorsque tant de paroles par eux a épuisé. Vous comptez ça pour faire. Maintenant, c'est le sénateur Dieu donne Numa, ensuite le sénateur. Non, sénateur cadeau d'abord, ensuite le sénateur Dieu donne. Et puis donne un cadeau à Dieu donne. Ah ben on donne un cadeau à Dieu donne. Un petit cadeau à Dieu donne. Merci. C'est gentil, cadeau. Président, mon bureau, collègue. Monsieur, fais silence, oui, oui. Gros femme qui a parlé. Et premier ministre, là, ministre des Affaires sociales, coordonnateur au MRA. Et les antiboniciens. Secrétaire d'État à mon handicapé qui est présent. Et tout de suite. Là. Micro. Et. C'est avec un peu d'enthousiasme que m'a accueilli un projet de loi qui prend en considération besoin moun handicapé dans le pays d'Haïti. Et ça me surtout remet dans un projet de loi, sénateur, collègue, ça me surtout remet dans un projet de loi, c'est que li tenu compte de quotient intellectuel. Moun handicapé, ça veut dire bay aux outils intellectuels suffisamment pour être capable de défendre tête yo. Et il parlait de formation, il parlait de ensemble de bay qui est très important. Et ça qui encore intéressé, il parlait sous moun qui handicapé, quitte les femmes, quitte les garçons. Parce que nous mêmes femmes, nous toujours gain une sorte de discrimination. Et encore une fois, là, nous femmes et nous handicapés, nous voulons sentir que nous prenons besoin nous en considération. Donc, je dis, sous principe de recevabilité, hein, moi, quoi que le ministre lui-même a exposé des motifs, il mentionnait la question du ministère des Finances. Là, et c'est justement là que je me suis déclic pour me dire comment il vient soutenir, et c'est le ministère des Finances que je mentionnais. Et dans ce sens, moi-même, je demande, président, pour nous donner la parole, pour nous donner explication, parce que vu l'importance de la loi, vu la nécessité que le pays d'Haïti gagne pour une loi qui pour prendre en considération personne moun handicapé dans le pays d'Haïti, je ne vais pas courir pour me dire, voyez, allez, mais je demande pour nous donner explication pour qui raison que ce ministre... Monsieur le président. Mon émotion au sénateur. Non, s'il vous plaît. Mon émotion. Allez, le mabé devenu m'a fait. Non, sauf une balle, pratiquement pas avec émotion. Hein, non. Sénateur cadeau. Sénateur Denis cadeau. Merci beaucoup, président. Sénateur Denis cadeau. Merci beaucoup, président. Moi, saluer présence premier ministre là. Ainsi que tout le monde qui accompagne. Moi, je voulais d'abord féliciter le ministre des Affaires sociales là, pour exposer. Là. En réalité, tout le monde est d'accord que par rapport à la situation que le pays connaît après le tremblement de terre qui s'est passé là, et par rapport à l'ensemble de menaces qui pesaient sous le pays, hein, déjà, nous mettons-nous d'accord sous le principe que une fois comme ça, à utile à monde qui est handicapé. Cependant. Attends, excusez-vous s'il vous plaît. Mon téléphone qui est tout près au micro là, qui n'a pas de problème. Vérifiez le téléphone s'il vous plaît. Ouais. Téléphone qui tourne micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
Oui, cependant, président, moi gagné une inquiétude par rapport à mise en œuvre font ça. Dans la mesure où, si nous pas arriver mettre de mécanismes en place pour permettre que mon handicapé ça bénéficier de façon efficace et efficiente font ça pour ne pas créer un bagaille la caillou qui est capable de gagner rapport avec assistada. Et dans ce sens, nous avons souhaité gagner plus d'explications quant à la mise en œuvre font ça pour que un monde, pour un rien, ne pas considéré comme un monde qui a un handicap et que la chita pour le bénéficier de fonds. C'est là que moi-même, j'ai une inquiétude. Et dans ce sens, j'ai besoin de plus d'explications sur lui. Merci beaucoup. Oui, sauf que à ce niveau-là, nous ne sommes pas capables d'entrer dans le fond. Oui. Elle dit, c'est d'accord seulement avec le texte, hein? Très bien. Et l'on va arriver dans le fond, là, ça a demandé toute explication qui est nécessaire. C'est d'abord la forme, et après, une fois que c'est recevable, là, ça a connu à la commission à faire rapport, et puis là, ça a débattu sur le fond. Sénateur Dumont. Merci, Président. Moi-même, je suis d'accord avec loi ça, même j'en avec de l'autre. Et c'est un progrès social important lorsque un gouvernement a proposé des prix pour lui appuyer le plus possible une partie de la population qui, pendant longtemps, était mise à l'écart ou par la nature de ce secteur de la population qui, effectivement, gagnait certaines faiblesses, mais qui pas mérité à cause de ça pour le météo à côté. Donc, progrès social important. Cependant, moi, je voulais faire une remarque et c'est une belle coïncidence. Remarque. Noël Babeuf, en 1789, en France, le babouvisme, qu'on a appelé d'ailleurs les partageux, et il continue en Haïti avec Akao. Donc, si ministre Affaires sociales, là, premier ministre là, et directeur OMRH, là, qui présente là, ministre des personnes handicapées, eh bien, ils sont d'accord pour gouvernement ville égalitaire, dans une certaine mesure, tant mieux. Mais moi, comme moi, t'arrêt, mais que yo nan vérité et que yo pas fait erreur, yo pas fait erreur, que yo résigné, yo dit tout simplement, puisque c'est ça m'croy, yo vle dit, c'est yon société équitable que yo vle gagner, parce que si nous prenons yo homo, yo pas capable de kebe kon pas ça. Merci en pile.
Merci beaucoup, sénateur Francenet. Président, yon l'autre fois, pas prêté sous question de forme pour nous dire recevable ou pas, c'est moment pour nous faire des remarques que nous croyons être pertinentes et le gouvernement vient faire exposer motif yon yon de membres du gouvernement là. Et ces mêmes remarques là, m'bral fait, il ne suffit pas de voter des lois, il faut les appliquer. Président, si même moi m'a fait défaut en 2010, moi, t'es député, me vote en loi sur la protection des personnes handicapées ici dans le Parlement. Et la loi, ça a dit que, eh bien, le recrutement que y a fait dans la fonction publique, là, 10% de gens étaient doués de handicapés. Mais moi-même, les marchés dans toute la coupe allemande, je suis handicapé. Et les mal dans l'administration publique, là, je suis handicapé tout. Donc, ces moments pendant l'OMRH, là, je ne discrimination positive, ça, comme on a fait pour nous mettre dans la loi, parce que je dis c'est sous base mérite. Mais il faut que nous fassions la loi, mais il faut que nous appliquions. Donc, 10% handicapés, nous avons dit en 2010, nous allons appliquer. Maintenant, nous disons que nous allons créer un fonds. Et mais il faut que nous évitions tout pour fonds, ça, pas régler d'autres choses que et affaires handicapés. Donc, moi-même, c'est contrairement à ma collègue Gettler, je pense que il faut que nous. Recevoir texte là. Motion, président. Si, motion. Motion accordée. Et il y a plusieurs remarques que nous sommes capables de faire, sénateur Francenet. Peu de choses, c'est que nous avons une très mauvaise réception dont on sait de principe qui visait pour promouvoir le droit de l'homme par les législateurs haïtiens. Dans des plaisirs à Dieudonne, nous avons même dans la question électorale, nous parlons de quotas. Son bagage antidémocratique, anti-républicain, parce que son bagage qui fait sous base mérite. L'État n'a pas gagné pour faire discrimination parce que mon nom, une fille ou bien handicapé pour le baba en travail. Mais au niveau de l'administration, la constitution a clairement dit que c'est sous la base de mérite. Je n'ai pas article là, mais il disait sous base de mérite 236. Donc ça veut dire que, et non seulement li, tout ça qui a posé problème, il ne doit pas même avoir compétence dans le domaine où on a demandé là, et puis voilà quoi, on va l'obliger à violer la loi. Véritablement. Donc ça veut dire que, bon mauvaise appréciation, qui compte faire des formes d'utilisation politicienne tout, de questions, hein, qui fait que moi-même, là, je ne vais pas aller comme ça, autant de Dieu, pas voter pour ça seulement, pendant que je connais ma petite vérité pour empêcher les problèmes. Donc, je dis, à, même question handicapé à tout, dit que tu as 10% de monde en côté, je ne sais pas c'est ça véritablement qu'à bataille, là. Droit de l'homme, là, je veux dire comme ça que, si on monde qualifié pour ici, là, nous n'avons pas une politique qui a fait pour ne pas prendre sous base que les handicapés. Et non pas. Et puis ça ne parle pas. Même sur le plan électoral, ils ont mené sous Kazek-Kazek. Qui fait que des gens qui Kazek, qui Maïska, c'est force et force là pour prendre les gens dans la politique, juste pour respecter la loi. Maintenant, quelle est l'efficacité de l'État maintenant? Donc moi, je pense que j'ai toujours eu le courage pour me dire samedi. Et là encore, je vais retourner au président pour me dire que le sénateur Yuri Pouadil, ou on a fait, on a l'étonné là, franchement, en tant que juriste, nous avons un beau glio. Nous avons un beau glio juridique. Ce qui fait que la société a dû prendre notre tour que c'est n'a fait travail. Pour moi, c'est une grosse séance qu'a fait là. Parce que nous pas venir nous dire nous valer tout le bagaille. Et puis, devant la balle, il y a un problème. Il y a des sénateurs, sénateuses qui sont plus proches, opposition centre, contre moi, souvent, qui recevront la loi parce que l'ouest est un bagaille qui est bon pour le pays. Et je suis d'accord ensemble avec lui. Ou est moi-même qui a couru au gouvernement sur la forme, je n'ai pas couru aller. Ça veut dire que je pense que c'est une grosse séance qui a fait là dans l'intérêt de la population. Parce que ce que nous devons comprendre, si le débat ça on a fait là, si nous ne faisons pas aujourd'hui, nous ne pouvons pas poser problème dans l'application à l'avenir. Parce que l'article 22.2, Jean Sénateur Yuridil, ça te montre là, avant qu'on dit, par probité intellectuelle, sous loi, sous personne handicapée, bien tandis que sont arrêtés qui doivent créer fonds. Mais nous avons un projet de loi devant nous. Mais en même temps, tout, monsieur le sénateur, oui, nous avons un beau glio. Parce que c'est nous l'homme fiscaux signé les dieux, le principe de la légalité de l'impôt. Toute loi qui a un rapport avec, mettons, taxe, c'est une loi ordinaire qui doit faire. Il n'y a pas qu'à venir de arrêter.
Ça veut dire que la première loi était inconstitutionnelle. Pas de monde qui voit ça. Motion, président. C'est une motion, c'est une motion. Sans motion, il faut que finisse motion. La première loi était inconstitutionnelle, qui fait que je dis, imbroglio, c'est que, un, nous devons voir la loi ça aller parce que il n'est pas conforme à la loi qui crée question sous personne handicapée. Mais maintenant, les offres appliquer la loi ça, son application inconstitutionnelle parce que y a une taxe nouveau, une charge nouveau pas qu'à mettre sous l'État que par une loi, le principe de la légalité de l'impôt. Donc, non l'homme fisqué signé les dieux, son loi ordinaire. Donc, à moins que nous apprenons concept loi, non interprétation extensive, dans le sens large, que toute norme. Là, les cas toujours discutables encore. Non, loi ça a lui-même, article 22, loi sur personnes handicapées, dit que pour créer fonds, hein, c'est on arrête, il viendra créer le fonds. Donc, nous avons un véritable bouclier qui permet que faut que nous réfléchissions bien pour nous sortir parce que c'est travail, nous, comme législateurs, pour ne pas quitter le problème, pour arriver puis devant. Parce qu'un pire problème pays, ça, pour un président, c'est parce que chaque fois pour nous dire, discussion dans la radio matin, midi soir, qui a signé raison sur loi. Et depuis là, pour nous clarifier la situation, pour ne pas créer problème. Parce que c'est ce qu'on fait le fait. Le gouvernement crée une taxe là. Ou qui doit regarder des sénateurs pas de rien. Mais tout dépend de circonstances. Les cadeaux sont monde qui fait comme mal. Et nous avons des problèmes qui baillent avec $50. Nous avons des problèmes que baillent sous fond pour question sugo. Nous avons des problèmes que ça te baille déjà. Je dis à mon qui doit ouais que livrer le passé, mais là, le besoin de la braler. Et puis la République parle dans discussion sur la forme, au lieu de nous penser à problème grand goût, problème l'hôpital, problème qui s'est encadré, handicapé avec paysan véritablement. Donc, moi, encourager toute forme de réflexion ça pour nous recommander de sortir après-midi. Président, merci. Président. Non, il y a une motion. Président. En deuxième motion. Oui, président. Non, bah, qu'on commence. Il faut commencer. T'as ni commencé ou m'en dérive. Président. Et collègue de les bail opinion moi même m'a parlé de commander gounia commander de commencer collègue ah bon oui. Collègue de bail opinion ils font réflexion mais moi même m'a parlé de loi que deux chambres ont voté pouvoir exécutif l'a publié et qui gagne effet qui dit que 10% l'en monde qui a recruté c'est des handicapés donc surtout avec loi inconstitutionnelle. C'est d'avant l'autre, et ce n'est pas collègue Guédelet qui a jugé de inconstitutionnalité loi. Il y a une institution qui l'a pris ça, Jean-Li Remel. Moi-même, et moi, quoi que, et ma brédili, ce n'est pas seulement faire loi, il faut que nous appliquions. Et pour question, et collègue Guédelet dit, nous avons un beau glio, c'est ton arrêté. Non, ça, ce n'est pas fond créé là. Ça, c'est Livine organiser fonctionnement fond. Donc, quand toujours on arrête de créer fonds, mais l'offre créer le fonds dit comment faire des questions, qui est-ce qu'il a un conseil d'administration qui boit bien une taxe. Donc, loi ça, c'est ça qu'il vient faire. Il va venir créer fonds, il vient dire comment fonds lui-même l'a fonctionné. Maintenant, pour sous qui tutelle, en bas tutelle, qui est situé, nous gagnons pour entrer dans la discussion fonds loi, laissez l'Assemblée à juger de qui bon la place, elle a toujours. Et dit li pap en bas finance c'est en bas affaires sociales mais ça pas fait que faut que nous voyons l'aller pour y retourner vinn dit c'est en bas finance lié comme si son bagage assemblée a déjà d'accord sur lui donc moi même moi penser président n'a recevoir texte là et nous bral travail sur lui pour nous faire li bal facture que li mérité mais moi crois que son loi qui bienvenu li vini porter justice sociale en dans une société qui si injuste comme la société haïtienne. Merci président. Sénateur Bélizé, ensuite le sénateur La Tortue. Notez. Nous devons prendre monsieur assez sous intervention président majorité que de l'air pour me dire que contrairement à point de vue là, je pense que la loi est bienvenue. Même Jean, votre collègue vous présenté, étant donné que nous pouvons arriver dans le fond de la loi, nous pouvons entrer dans l'analyse là, c'est recevabilité. Et moi, je crois que c'est bon pour nous avancer, pour nous recevoir la loi et puis pour nous passer à autre chose. Parce que nous pouvons arriver dans le fond du travail. Mais ça, nous allons connaître est-ce que nous avons tout établi fond à partir de loi ou bien est-ce que nous avons quitté poussé à partir d'un décret pour nous créer. Merci. Sénateur La Tortue.
Merci, Président. Alors, bonne partie de l'intervention, sénateur Augustin, quand tu as avancé. Même pas le poser une question. Éteignez notre micro, s'il vous plaît. Sénateur Bélizer, micro, s'il vous plaît. Merci. Je vais poser une question à la ministre. Là. Parce que loi mars 2012, là, Président, il y a un article 22.2 qui crée le fonds. Le fonds est déjà créé. Et l'article dit ceci, il est créé un fonds de solidarité nationale pour l'intégration des personnes handicapées. Et la deuxième phrase de l'article, c'est que un arrêté de l'exécutif va définir le fonctionnement et l'organisation de ce fonds. Ça veut dire, je dis à pour qui ça, exécutif là, vini proposer en loi, alors que le tégon marge d'amène qui sont arrêtés, qui te ka permettre le livre augmenter fonds, li prend arrêté pour le faire, alors que le gon loi, justement, li pap ka changer. Li diminue marge li. Pour qui ça, ou réduit marge, alors que gon loi qui te ganta créer fonds, qui te bon possibilité pour fonds arrêté, déterminant le fonctionnement et l'organisation, et qu'on y a ou bas en loi. N'a rien que y répondre à la question, parce que si je me retrouvais du côté de l'exécutif, tape bon marge, en fonction de l'inflation, en fonction de tout, que le décal ajusté font, et le ça, il va passer par le Parlement. Monsieur le Président. Sénateur Sorel. Sénateur Sorel. Oui, sénateur Sorel passé. Ah, sénateur Sorel passé, c'est ça. Ah non, ok, sorry. Président, moi prends la parole malgré la... malgré remarque collègue, moi, la tortue. Mais comme sénateur Frasnet dit que c'est le principe de la légalité. Pour me prendre la parole, pour me dire d'abord à collègue Mayo, fonds déjà créé, c'est l'organisation de ce fonds. Ça, c'est le premier principe là. Et deuxième non, remarque là, deuxième non, parce que quel que soit changement, correction que nous sommes capables de faire pour l'IA, ministère qui placé pour ça, il n'y a pas d'autres ministères. C'est le ministère des Affaires sociales avec comme secrétariat déjà qui déjà créé, c'est encore Affaires sociales. Mais après, prise de parole, moi, président, c'est pour me dire, collègue Mayo et nation, 10 janvier, lui montrer que malgré bénédiction que 12 janvier, que l'Éternel fait nous créer nous avec tout sens nous, lui montrer que nous tout cas là. Nous tout cas vin handicapés. Donc, le fait à gouvernement pour le venir avec l'organisation et le fonctionnement du fonds de solidarité, mis à part remarque sénateur Franciner et sénateur Yuria, et bien, la tortue, je pense que nous devons recevoir et texte là, projet de loi. Jodia. Motion, Président. Accordé. Moi, je voulais que tout le monde comprenne que ni moi-même qui fais intervention, ni sénateur Latortue, nous d'accord que l'urgence est bon pour l'avoir faite.
c'est pas ouais nous t'es en Haïti de janvier nous comprenons ça qu'a fait là mais cependant il y a des problèmes ont soulevé président mon nom Powell mais c'est l'opéra dans application concrète là à l'avenir pas un problème et puis pays a pas tomber nous pas qu'une discussion de forme au lieu de nous aborder question de fond yo je dis à nous moi-même nous gagnons en loi Article 22.2, Jean Sénateur la Tortue Soudi, là qui dit clairement que c'est un arrêté qui a fini faire organisation et fonctionnement. Et puis je dis à nous dans le Sénat, nous avons voté un projet de loi pour nous. Est-ce que nous avons dit nous passer, Jean passé le passé, puisque l'important, nous continuer. Ça, c'est mal comprendre l'implication qui est capable de gagner dans l'application concrète dans le temps. Maintenant, nous avons l'autre réserve encore. Ça m'a souhaité. Nous avons demandé que le ministre puisse aller d'abord travailler sur l'autre loi qui corrige l'anomalie constitutionnelle sous loi sur personne handicapée. Parce que c'est une anomalie, parce que une loi doit prendre par. Une loi, une taxe doit mettre par une loi et non pas exécutive par un acte réglementaire. Donc, que même travaille sur lui pour Angèle. Nous même l'Elvin là dans voter là avec toute célérité parce qu'on a pris son loi qui était inconstitutionnel la prendre constitutionnel et ensuite pour nous conformer nous qu'on y a projet de loi ça tente li là le ça pas inconstitutionnel il pas illégal encore parce que la conforme à sa loi a été dit maintenant président mais qu'on l'autre remarque m'a fait encore tout et me pense que monsieur Oriol li là m'a compte si ça pas dérangé bataille n'a mettre contre stigmatisation des personnes handicapées que nous continuer utiliser en loi sur des personnes handicapées alors que me connais grand pile débat qui fait puis retirer mot ça qui discriminatoire puis mettre des personnes à mobilité réduite est-ce que c'est pas le moment pour nous tout corriger ça parce qu'en pile fois l'autre dit mon handicapé dans littérature droit de l'homme il pas accepté thème ça c'est discriminatoire même si mon handicap ça pas venir faire le handicapé pour ça ils sont personnes à mobilité réduite. Donc, je vais quitter le thème là quand même. Qui ça a pensé de ça? Merci, Président. Sénateur Bélizer. Ah non, mais je n'ai pas terminé, monsieur. Ah non, excusez-moi, c'est une motion. Sorry, sénateur. Sorry. Et, Président, m'a fini prise de parole moi pour me dire, collègue, nous t'as souhaité que nous allions chapitre 5. L'article 36 de ce projet de loi. La présente loi abroge toute loi ou disposition de loi, tout décret ou disposition de décret, tout décret loi ou disposition de décret loi qui lui sont contraires. Et je reste là, monsieur le président. Merci beaucoup. Merci bien. Il y a quand même l'intervention du sénateur Bélizer. Il avait sollicité la parole bien avant. Oui, président. Effectivement, c'est par rapport à l'intervention de notre cher collègue Youri Latortue que nous avons intervenu par rapport à arrêté et décret. Je crois que l'intervention collègue Sorella, qui était pas fait conclusion, elle déjà fait, mais ça n'a pas dit. Et collègues là par rapport à création fonds, je ne crois pas qu'il y a besoin d'arrêter de manière successive puisque le budget de la République est capable de résoudre le problème. Ça. Si vous avez besoin, par exemple, pour augmenter, et par exemple, tout par rapport à n'importe quelle taxe à travers le budget, eh bien, vous êtes capable de corriger de manière récurrente. De manière annuelle ou bien de manière peut-être chaque 6 mois ou bien chaque période il y a un budget rectificatif. Donc dans ce sens-là, moi je crois que le budget est capable d'amender quelle que soit loi ou disposition de loi qui contraire à lui-même. Donc dans ce sens-là, je crois que la loi n'a aucun problème par rapport à décret qui était déjà qui réglementé font ça. Merci beaucoup. Nous croyons que nous finissons de faire débat sur recevabilité. Hein? Absolument, on dit minutes sénateur, sénatus, souffrir comme des radios 2 secondes, pour nous dire seulement, à partir de l'article 36 que sénateur Sorel lit,
nous considérer que nous avons résolu le problème là, et puis faire en sorte que nous mettions en harmonie avec la Constitution. C'est-à-dire faire en sorte que, un, nous amendons par la même occasion, pendant que nous avons accepté le principe de recevabilité, mais il faut que nous mettions d'accord pour que nous amendions article 22.6, dont il fait allusion dans le texte de loi qui te dit que son arrêté qui a venu créer fort. Alors ça, problème là, à résoudre de par lui-même. Président, excusez-moi. C'est à toi, attendu. Moi, je me dépose l'exécutif en question. Ce n'est pas que l'Iboal a bougé, non. Moi, je dis l'exécutif là, il était une disposition légale qui te permet de justement faire fonctionnement et organisation fonds acte créé. Moi, je pose une question et je me réponds. Pour qui ça, je choisis de faire une nouvelle loi. Très bien, vous avez la parole. Madame le ministre. Merci, Président. Alors, pour répondre à la question, honorable sénateur, c'est parce que dans l'article 2, Fonds Ciblant, c'est un organisme autonome à vocation financière. Et tout, si je dis organisme autonome, le premier point, c'est que il doit créer par en loi et non yon arrêté. Et pour deuxième point que m'ta remè et noté, m'pense que nous fait discussion sur ça dit clair, c'est justement loi ça projet doit nous déposer, c'est pour porter correction à toute irrégularité qui était gagné déjà dans premier loi qui était faite là. Merci. Très bien. Eh bien, ceux qui sont pour la recevabilité, levez la main s'il vous plaît. Ah oui. L'édifié. L'édifié. Merci bien. Merci bien. Merci bien. Le résultat du vote, s'il vous plaît. Nous sommes 19 présidents, 18 ont voté pour et le président ne vote pas. Le président ne peut pas voter. Si. Adopté. Merci bien. Nous demandons au vice-président de la Commission des affaires sociales pour lever une prendre le texte officiel là et me comprendre que j'en ai souhaité lui, eh bien c'est célérité dans l'urgence. Merci bien. C'est comme, comme vice-président. Non, lorsque le président n'est pas là. Très bien. Le remplace. Merci bien. Encore une fois, nous dit merci à Premier ministre, ministre des Affaires sociales, là, le directeur général, Mancaldi, notre ami, de l'OMRH, le secrétaire général de la Pomature, c'est ça? Le secrétaire d'État, mes amis, secrétaire d'État Ouyol. Merci, je crois que l'initiative est une très bonne initiative pour introduire le loi ça. Et son, nous tous vraiment espéré un texte comme ça. Et nous croyons que le rivé à point nommé, et nous avons constaté l'engouement qui gagne la caille chaque sénateur qu'il a pour éviter que gagne des erreurs de procédure qui glissait et éviter que nous tombions dans l'illégalité. Et nous comprenons toute l'initiative que nous prenons tout pour que nous, non seulement, venir présenter et par l'Assemblée, venir faire dépôt officiel par l'Assemblée sénateur à tout texte, les trois textes en question, mais envie que nous gagnions tout pour nous moderniser l'État. À cette phase de débat, nous sommes capables seulement de complimenter les collègues sénateurs et tout pour la qualité du débat qui est fait là et la façon que vous abordez différents éléments ou bien sujets qui attendent le débat. Merci beaucoup et nous demandons à protocole Sénat pour les accompagner. Nous ne pouvons pas même quitter, même dire nous merci parce que nous tellement gagnons un ordre du jour chargé. Encore une fois, nous disons merci et puis à la prochaine et bon travail. Et n'a profité pour nous souhaiter PM. Non. Président, hier c'était l'anniversaire du Premier ministre.
Donc au nom du Parlement, je profite l'occasion pour souhaiter joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Je vis ça et les usurpations de titre. Président, il faut rappeler. Oui. Avec inscription au procès verbal. Hein? Merci bien. Nous demandons au service du protocole du Sénat de bien vouloir raccompagner le Premier ministre au salon diplomatique. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Premier secrétaire, prochain point à l'ordre du jour. Dépôt de la proposition de loi réglementant l'entreposage, la manutention, la distribution et la vente des produits pétroliers sur le territoire national par le sénateur Richard Hervé-Lénine Foucan. Demandez à sénateur Foucan pour les graver tribunaux pour qu'il y ait une faire dépôt. Proposition de loi qui réglemente l'entreposage, manutention, distribution et vente de produits pétroliers sur tout territoire pays d'Haïti. Sénateur Foucan, président de la commission des TPTC. Micro, s'il vous plaît. Monsieur le Président, les membres du bureau, chers collègues, merci collègues. À travers tout le territoire national, on peut remarquer une prolifération accélérée et effrénée du nombre d'installations pétrolières et des centres de distribution de gaz de pétrole liquéfié. On appelle ça GPL. Et ceci au mépris des normes internationales en matière de sécurité et de protection de l'environnement. Compte tenu des pratiques actuelles et s'inspirant de celles observées dans des pays confrontés à des problématiques similaires, nous avons jugé nécessaire de réglementer l'industrie pétrolière et le gaz de pétrole liquéfié, comme je viens de dire tout à l'heure, GPL. En Haïti, cette proposition de loi vise à l'amélioration de la sécurité dans toutes les installations pétrolières en Haïti en vue d'une meilleure protection de l'environnement. La dite proposition est répartie en 5 articles pour les hydrocarbures et 6 articles pour le gaz pétrole liquéfié, GPL. Pour le gaz pétrole liquéfié, l'article 1, amélioration de la sécurité dans toutes les installations GPL et une meilleure protection de l'environnement. Organisation des stations de distribution de GPL, localisation et un mur de sécurité. Formation du personnel, dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail et à la sécurité d'incendie. Consigne générale de sécurité, règles d'exploitation, protection de l'incendie. L'article 2. Critères et obligations pour l'exercice du propane GPL. Des règles et procédures jugées essentielles pour la sécurité des opérations du GPL. Par exemple, entité et responsabilité, les étapes à parcourir pour la mise en service des stations de distribution de GPL, certificat d'autorisation et de fonctionnement, fournisseur, règles générales pour la conception. L'article 3, les exigences pour la construction,
l'équipement des installations GPL et pour le matériel de transport du GPL. Installation des citernes, clôture, disposition générale, consigne, bâtiments locaux et air de stockage des bouteilles. Voie, air, passage de circulation des véhicules. Charpente métallique, matériel électrique, les distances relatives entre les kiosques, centre de micro-centre, de distribution de GPL avec les centres proches. L'article 4, conditions de stockage, de transport et de distribution. Transport par route, disposition générale, changement de et déchargement manutention, camion citerne, transport des bouteilles, consigne de sécurité pour le transport de GPL pour la route, consigne de route, consigne générale de sécurité, consigne en cas d'accident, livraison, consigne pour le chauffeur lors du remplissage, règlement pour le remplissage et règlement pour l'exploitation. L'article 5, exigence minimale pour la construction d'un micro-centre. L'article 6, déclassement et post-utilisation des stations de distribution. Pour l'hydrocarbure, l'article 1, organisation de la distribution pétrolière. Ministère en charge de la distribution pétrolière, Commission nationale des hydrocarbures, CNH. Article 2, conditions d'exercice des métiers de la distribution pétrolière, disposition commune, activité d'importation, activité de stockage, activité de transport et activité de distribution. L'article 3, stock de sécurité. L'article 4, stock de stratégie. L'article 5, structure des prix, prix de cession en bac, frais de passage en dépôt, droits et taxes, stock stratégique, frais de transport, rémunération des compagnies de distribution et marge détaillant. Ainsi, ai-je l'honneur, Monsieur le Président, de vous demander acte du dépôt de la dite proposition de loi et je profite de l'occasion pour solliciter de mes honorables collègues leur vote favorable, tout à la forme qu'au fond pour ce texte. Et après chaque, il y a des photos de ces stations qui sont prises pour édifier les collègues comment se font ces pompes-là, comment on bâtit ces pompes avec des tuyaux hydrauliques. Même. Merci, collègue. Le bureau prend acte. Il a demandé de prendre acte. Le bureau prend acte de la proposition de loi. Merci. Le bureau prend acte de la proposition de loi réglementant l'entreposage, la manutention, la distribution et la vente des produits pétroliers sur le territoire national présentée par l'honorable sénateur Hervé Fourcan. Sur ce, le bureau demande à l'Assemblée de se prononcer sur la recevabilité de cette proposition de loi. La recevabilité est mise en discussion. Une première fois. Une deuxième fois. Une troisième fois. Adopté. Recevable.
Premier secrétaire, vote de l'ensemble de la proposition de loi relative à l'intégration de l'éducation à la citoyenneté dans les curriculum de l'école haïtienne. Et hier, nous étions dans la phase que nous avons fait vote là, vu que le quorum a été infirmé, c'est le vote de la proposition de loi relative à l'intégration de l'éducation à la citoyenneté dans le curriculum de l'école haïtienne. Nous avons demandé au secrétaire général là pour te porter toute correction et nécessaire avant de transmettre à la Chambre des députés. Et l'ensemble du texte, une toute dernière fois par principe, mise en discussion, et mise. Droit de. Éducation surtout, droit, etc. Alors, sénateur, quant à. Rappelle sur. L'ensemble du texte. Non, sur l'ensemble du texte. Merci bien. Très bien. Merci bien. Au niveau du troisième visa, président, on a dit, vu les articles 14.2, 17, 28, 29.1, 29.2 de la Convention internationale des droits de l'enfant de 1949 sur le droit à l'éducation des valeurs morales et nationales. Moi, je pense qu'il faudrait remplacer éducation par enseignement. Le droit à l'éducation des valeurs morales et nationales. Donc, je pense qu'il faudrait dire le droit à l'enseignement des valeurs morales et nationales. Un. Deuxièmement, au niveau de la page 1, article 2, l'éducation à la citoyenneté fait partie du curriculum de l'école fondamentale et de celui du nouveau secondaire. Elle englobe l'apprentissage de la démocratie, notamment les droits et devoirs du citoyen, l'éducation aux droits humains, en particulier à la paix et à la protection de l'environnement. L'éducation à la paix et à la protection de l'environnement. Très bien. Parce que quand on dit le droit à la paix, très bien, et à l'éducation de l'environnement, et à la protection de l'environnement, pour répéter le collègue Denis, la protection de l'environnement, c'est un devoir. Ça ne peut pas être un droit. C'est pourquoi on a corrigé la première formulation, on l'a remplacée par cette formulation que je viens de donner. L'éducation aux droits humains, en particulier à la paix et à la protection de l'environnement. Très bien. Très bien. L'ensemble du texte, une dernière fois mise en discussion, mise au vote. Ceux qui sont pour, levez la main, s'il vous plaît. Merci. Merci. Ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent. Écoutez. Tout le monde qui n'a pas levé, mais depuis qu'il n'a pas voté contre, il a fait abstention. Oui, c'est bien. Pratiquement. Adopté. Il suffit qu'on en salle là. Dès qu'on en salle, on va lever, mais on fait abstention. Oui. Dès qu'on n'a pas voté pour, on va voter contre. Abstention qu'on fait. Et puis là, ça dans n'importe quel amendement, règlement en affaire, il faut que nous incorporions là-dedans pour faciliter la tâche au bureau. Prochain point à l'ordre du jour, s'il vous plaît. Président, est-ce qu'on pourrait prendre une petite suspension, président, pour essouffler un petit peu, président? Parce que, où besoin de Lili? Lili a pris, non? A pris. Nous espérons retrouver tous les sénateurs après la suspension.
Non, avant suspension, si nous permettons, nous avons quand même que nous permettons, président de la commission éducation, au moins, bah, nous lecture de rapport. Après ça, nous avons suspension. On est là pour minuit, aujourd'hui. Monsieur le Président, messieurs les membres du bureau, je vous rappelle que le président de la commission éducation va nous donner lecture du rapport de cette commission sur le projet de loi portant réorganisation et modernisation de la formation technique et professionnelle. Monsieur le Président, honorables collègues sénateurs de l'Assemblée, chers collègues de la Commission, en ma qualité de président de la Commission, j'ai l'honneur de vous présenter le rapport de la Commission éducation et formation professionnelle sur le projet de loi déjà voté par la Chambre des députés relatif à la réorganisation et la modernisation de la formation technique et professionnelle. Ainsi que dans la majorité des pays du monde, Haïti dispose d'un système de formation technique et professionnelle, dans la mesure où il existe une législation, une politique, des institutions et des pratiques spécifiques au domaine. En effet, s'agissant particulièrement de la législation, il convient de citer le décret-loi du 9 octobre 1973 portant création de l'INFP et du Centre pilote de formation professionnelle. La loi organique du ministère des Affaires sociales et du Travail, définissant ses compétences en matière de formation professionnelle. Le décret-loi du 14 mars 1985 réorganisant la formation professionnelle en Haïti. Le décret du 14 octobre 1988 sur la masse salariale abrogeant celui du 27 novembre 1973 et créant la taxe